J'ai testé la pizza d'Inox Tag, la Dominox, et je te donne mon avis aujourd'hui, c'est parti! Aujourd'hui on va se régaler les gars. Avant de goûter la pizza, j'ai voulu tester les frites de cheddar, et c'est une pure merveille. Ah ouais! Regarde-moi un peu cette pépite, est-ce que ça te donne pas trop envie en vrai? Le cheddar il est hyper bon, on sent bien les oignons frits, elles sont un peu croustillantes mais pas trop non plus, ça j'aime bien. Là y'a pas de doute, c'est les meilleures frites au cheddar que j'ai mangé. Allez, la petite dernière. Pour les frites, c'est un bon 8 sur 10, c'était très très bon. Maintenant on passe au moment que vous attendez tous, la Dominox. Du coup pour cette pizza on est sur une base crème, ensuite dessus on a des champignons de Paris, de la mozzarella, du chèvre et du poulet rôti. Et sinon vous c'est plus team base crème ou base tomate pour les pizzas? Et j'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté quand je fais ça. Allez, je démarre tranquillement avec une première petite bouchée. Pour ceux qui aiment la chèvre miel, ça s'en approche vraiment beaucoup. La pâte signature de chez Domino's, pépite. Franchement ouais, c'est une dinguerie les gars. Comment t'expliquer? En gros c'est une petite douceur, elle passe tranquille. J'ai pas eu besoin de forcer pour la finir celle-là. Bon, pour faire simple, si t'es un fan de la pizza chèvre miel, cette pizza, tu vas l'adorer. Du coup, je lui mettrai un bon 9 sur 10, elle les mérite largement. Et au fait...